préambule, je voudrais, si vous le permettez, remercier le président et Louise de me donner l'opportunité de pouvoir mettre en place ce projet dans un club où je suis très fier d'arriver. Je suis motivé et impatient maintenant de retrouver mon groupe. Aujourd'hui, c'est de travailler bien avec les joueurs. Comme je leur ai dit ce matin, qu'à la fois nos objectifs, à la fois personnels et collectifs, soient atteints en fin de saison. Eux, ils ont quelque chose à gagner, nous, on a quelque chose à gagner. Et voilà, et le club a quelque chose à gagner à ce que ça se passe bien. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais me répéter, mais je suis très heureux d'être là. Mais après, vous savez comment c'est, les résultats feront que. Je suis heureux de ce qu'ont montré les joueurs, notamment par rapport à tout ce qu'on avait travaillé dans la semaine. Le groupe travaille bien, maintenant bon, ce n'est que le premier match et la saison est longue. C'est que le début, voilà, il faut continuer et bien récupérer pour faire autant, voire plus le prochain match. C'est sûr que c'est dur ce soir à encaisser parce que c'est la dizaine de défaites à domicile. Mais voilà, on est des professionnels, il faut se relever très très vite. Il y a des automatismes qui doivent venir et comme je vous ai dit, j'espère que la mayonnaise prendra vite parce que je pense qu'avec ce groupe-là, on peut faire de bonnes choses. Il fallait un petit peu de temps pour qu'on crée quelque chose, mais là, avec les résultats et beaucoup de travail à l'entraînement, ça se paye le week-end. On se régale humainement et c'est du bonheur de travailler la semaine et de réussir à gagner les week-ends. Maintenant, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. On a eu des moments difficiles, mais on n'a pas lâché. Gardez cet état d'esprit, tout le monde. Encore quelqu'un qui rentre, encore quelqu'un qui marque. C'est important, c'est les valeurs qu'on veut avoir jusqu'à la fin. Ok les gars, un groupe. Allez les gars, bravo. Ça arrive de faire des erreurs, mais il fallait relever la tête vite et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le chemin est long, mais on a pris 3 points encore, les gars. C'est important, on fait tourner le compteur, il faut rester comme ça pour essayer d'aller le plus haut possible. On ne s'enflamme pas, on reste comme on est et on avance. C'est tout ce que je vous demande, ok? Pas de soucis, allez, bravo encore.